Alors, vous savez, mois de décembre, Noël, après Noël, il est l'anniversaire de Nicolas Ceausescu. Je ne sais pas si vous le connaissez ou non, puisque ça fait 30 ans qu'il était exécuté dans son pays, Roumanie. Nicolas Ceausescu, pendant 25 ans, il était patron de son pays, patron incontestable, communiste et staliniste. Ah, voilà, et comme tous les communistes, tous les totalitaires, toutes les dictatures, ils pensaient que si le peuple vivait bien, au moins il avait quelque chose à manger, et le toit pour habiter, c'est tout. Après, si quelqu'un il conteste, il faut le tuer, massacrer, etc. Voilà, comme tous les régimes totalitaires, marxistes, communistes, maoïstes. Et staliniste, il a régné dans son pays pendant 25 ans. Mais le 25 décembre 1989, il a été exécuté avec sa femme, tué devant les caméras. Vous vous rappelez pas? Moi-même, je ne savais pas que c'est 30 années, 30 années de cette histoire. Mais ce soir, quand je regardais, je oui, ça fait 30 ans. L'histoire de Nicolas Ceausescu était très intéressante, comme l'histoire de la plupart des dictatures qui n'ont pas meurt dans leur lit ou dans les lits des hôpitaux, qu'ils ont été exécutés par leur peuple. Vous avez l'exemple de Saddam Hussein. Après Nicolas Ceausescu, vous avez l'exemple de colonel Gaddafi, et voilà l'exemple d'autres présidents actuellement qui ont, quand le fait chuter, soi-disant qu'ils ont fait des tricheries dans les élections, ils ont triché, c'est ça qu'on dit. Oh, écoutez, il y avait d'autres personnes aussi qui ont été chutées, même assassinées, soi-disant, mais on a dit qu'ils sont morts. C'est par exemple comme Chavez. Chavez aussi, c'était quelqu'un, un rebelle contre l'Occident, allié avec l'Iran, d'Ahmadinejad. Alors, il vient, il fait énormément de bruit, des choses, mais il est quoi? Il est mort après, etc. Récemment aussi, vous avez pu constater à Bolivie. Bolivie, en Bolivie, Morales, président Morales, comme un coup d'État, Bernie Sanders, le sénateur américain qui est candidat aux élections présidentielles, qui dit de temps en temps des choses un peu différentes de ce que les Américains, surtout les républicains, ils disent. Bernie Sanders, il dit, c'est un coup d'État qui a été fait contre Morales à Bolivie. Et ce soir, encore une fois, si vous permettez, hein, puisque c'est la fin d'année. Prenez votre café, asseyez-vous tranquille, puisqu'encore David Abbassi va vous dire des choses intéressantes que vous ne savez pas. Peut-être vous n'avez jamais réfléchi à ce que je vais vous dire ce soir. Je vais vous donner la raison de déstabilisation de plusieurs chefs d'État dans le monde, surtout depuis 40 ans. Surtout depuis 40 ans, mes chers amis. Alors, 40 ans, c'est quoi? C'est le chute de Shah d'Iran. C'est le chute de Shah d'Iran. Et la révolution islamique d'Ayatollah Khomeini, qui va prendre le pouvoir en Iran. Et il va changer le destin du monde.
déjà énormément de points de checkpoint, on peut dire, de contrôle partout dans le monde, a été commencé avec la révolution islamique en Iran. Il y avait des attentats, il y avait même du vol. Vous voyez, énormément de systèmes de sécurité qui existent dans les grandes surfaces et des boutiques d'une marque, à l'époque, n'existaient pas. Dans les années 70, si vous entrez dans le Darty, magasin Darty par exemple, et si vous sortez avec une télévision, personne n'était pas à la porte de vous demander si vous l'avez payé ou non. Puisque, sans aucun doute, vous l'aviez payé. Il n'y avait pas de voleur. Vous entriez dans les magasins de prêt-à-porter, si vous sortez avec un jean habillé, un manteau, je ne sais pas quoi, que vous portez sur vous, et il n'avait pas anti-vol pour sonner. Et personne ne vous demandait, madame, monsieur, votre ticket, si vous l'avez payé ou non. C'était comme ça. Même au départ des années 80, moi-même je me rappelle, la France, c'était comme ça. Il n'y avait pas une surveillance et contrôle des gentlemen, surtout africains, qui restent devant la porte et après des caméras aujourd'hui pour vous regarder même quand vous êtes en train d'essayer certains vêtements. Et tout ça, ça n'existait pas. À côté de ça, c'est des actes terroristes. Attaquer Darty, attaquer Bataclan. Bataclan, non, à l'époque, c'était synagogue Copernic. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Galerie Poinchot, 66 Champs-Élysées. Et tout ça, ça a commencé. Après, il y avait un renforcement des policiers de sécurité. Et tout ça, ça venait de la République islamique d'Iran et chute de Shah d'Iran. Le Shah d'Iran va être chuté, programmé, écrit l'histoire de cette chute par Paul Erdman, banquier américain, prisonnier en Suisse. Il va faire ce projet, ce business plan de chute de Shah d'Iran. Le livre, il s'appelle Crack ou Crash 79. Exactement l'année que Shah était shooté, il l'écrit 5 ans avant et ils le vendent aux Saoudiens, qu'ils vont l'acheter et mettre en exécution par les Américains et par les autres. Après Guadeloupe, 5 puissances mondiales, la France, Giscard d'Estaing, l'Amérique et l'Angleterre, James Callaghan, et tout ça, ils vont décider de shooter Shah d'Iran et mettre Khomeini à sa place. Ex-procureur de la République américaine, que son fils aussi était dans l'histoire de Dominique Strauss-Kahn. Il va aller voir Khomeini, ici en France, à Neuf-le-Château. C'est Carter, Jimmy Carter, qui l'a écrit dans ses mémoires. Et il va proposer plusieurs millions de dollars à Ayatollah Khomeini. Et Khomeini va renforcer son mouvement contre Shah d'Iran. Le Shah d'Iran va être obligé de sortir. Et la République islamique installée par des imbéciles. Les ayatollahs, c'est des imbéciles. C'est des gens de... Leur pensée, c'est très réactionnel, 1400 ans avant. Alors ça va toucher le monde entier. Ça va toucher le monde entier, surtout le monde musulman. Mais il y en a Hafez Assad en Syrie. Il va écraser la révolte. Al-Azeghiye, Tartous, Homs, et roi de Maroc, Hassan. Il a écrasé la révolte des musulmans. Saddam Hussein, il a fait la même chose. Jordanie, roi Hussein, il y a des révoltes, ils vont faire la révolution islamique. Tout ça, c'est géré par la néocolonisation. Tout ça, c'était programmé. Tout ça, c'était programmé pour avoir accès au pétrole. Le Proche et Moyen-Orient, ça c'était programmé, de remplacer l'islam fanatique, écraser l'Union soviétique, installer l'islam fanatique pour pouvoir profiter des champs pétroliers qui est là-bas.
Depuis Eisenhower, il avait dit, surtout Eisenhower quand il dit président américain, il parle de l'Iran aussi. Il dit la richesse qu'il y a là-bas. Et l'Iran est un pays assez important, stratégiquement, économiquement, etc. etc. Alors, en 1980, dans les années 80, tous les révoltes islamiques va être écrasé, mais ça va continuer en Iran, la République islamique. Après l'Iran, il va consacrer plusieurs milliards de dollars chaque année pour créer des mouvements islamistes contre les pays musulmans. Ce mouvement, que moi je connaissais bien son patron il s'appelait Mohammed Montazeri, son père Hassan Ali Montazeri, c'était un grand ayatollah qui devait succéder à Khomeini. Mais on l'a enlevé de cette succession. Mais son fils, que Mohammed Montazeri, je le connaissais à l'époque de Shah d'Iran, mais après la révolution, lui, il devient patron de l'organisation d'exportation de la révolution islamique dans le monde. Et son mouvement, il s'appelait Satja. Satja. En persan, ça veut dire c'est Sazmane Tudaye Engrabi Jomburi Islamir. Voilà. Lui, il disposait de plusieurs millions de dollars. Une fois, M. Bazargan, qui était le premier ministre de Khomeini, il va l'arrêter à l'aéroport avec plusieurs millions de dollars qu'il était en train d'aller ramener ces dollars-là en Libye, puisqu'il était copain avec Gaddafi. Même il était ici à Paris avec Khomeini, Mohammed Montazeri. Il était ici à Paris. C'est bien cette histoire-là à la fin d'année. C'est comme vous êtes en train d'écouter ou regarder un film policier. Alors, Mohammed Montazeri, ici, était responsable de bouffe à la maison de Khomeini à Neuf-le-Château. Mais vous savez, il ne dépensait même pas un euro, même pas un franc. À l'époque, c'était franc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà quelques secondes, à l'époque, facilement, vous pouviez voler des grandes surfaces aux petites surfaces. Il entrait dans les grands magasins, de grandes surfaces ou petits, et il volait tout ce qu'il voulait. Par exemple, son système de vol était comment à l'époque, je veux vous dire. Parce qu'il m'a raconté lui-même. Quand il est rentré en Iran avec Khomeini, il disait, écoute, je prenais un grand sac à dos, grand. Je le mettais dans le chariot. Alors, en bas de ce sac, au-dessus de ce sac, je mettrais des saumons, des piles d'uracelles qui coûtaient trop cher et petits. Je mettais des choses tout petits, mais chères, au-dessus de cette sac à dos. Alors après, je mettais le sac à dos sur tout ça, c'était caché. Qu'est-ce que je mettais sur le sac? Je mettais oignon, pomme de terre, orange, en quantité. De l'eau, à l'époque, il n'y avait pas l'eau minérale source, pas chère, c'était Evian ou Vittel. Oh, il disait que je mettais 4-5 paquets assez lourds pour cacher le trou qui était au-dessus du sac et je sortais. Après, les Duracell, il le vendait pour acheter d'autres choses qu'il ne pouvait pas voler. Et c'est comme ça, lui-même, il m'a dit qu'il ramenait le manger à la maison de Khomeini à Neuf-le-Château. Pour une grande partie des gens qui venaient là-bas, qui voulaient prendre un café, tout ça. Alors c'est pour ça qu'après petit à petit, on a aperçu qu'il y avait beaucoup du vol, peut-être à droite à gauche. Après, je ne sais pas quoi, ils ont mis en place ce que vous voyez actuellement. Même pour le téléphone, c'est bien de vous dire ça ce soir. Si c'est la première fois que j'en parle de tout ça, c'est bien de rester dans l'histoire. Parce qu'on a parlé de Nicolas Ceausescu, on a commencé, on va continuer. Vous savez, une des idées de droite, non, de gauche, avec tout le respect que j'ai pour toute la gauche, hein, c'était de voler. Il dit que tu peux voler du capitaliste. Les capitalistes, c'est des voleurs, et toi, tu peux les voler. À l'époque, hein, on pensait comme ça, on volait. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de brigades, je ne sais pas quoi, un mouvement patati patata, qui attaquait les banques, qui volait, tout ça. Alors Montazeri, Mohammed Montazeri, qui était patron de ce mouvement, aussi il volait tout ça pour Maison de Khomeini à Neuf-le-Château, ici en France. Et même il téléphonait gratuitement à l'époque. Alors, vous savez, à l'époque, le téléphone, ça marchait avec des pièces de 50 centimes, 1 franc,
2 francs et 5 francs. Avec des pièces, ça marchait, le téléphone. Surtout quand vous voulez téléphoner à l'étranger, vous devez utiliser plusieurs pièces de 5 ou 2 francs. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? C'est le band, l'équipe. Il n'était pas une ou deux personnes. Après, même Khomeini rentre en Iran, mais cette idée reste ici parmi. On collait avec un scotch, un fil, une pièce de 5, en le faisant entrer, mais avant qu'il tombe dans la caisse, il le gardait entre les deux espaces, entre le trou qui jouait pour libérer la ligne. Et il le gardait là-bas. Ah, il téléphonait pendant 1 heure, 2 heures aux États-Unis, dans n'importe quel pays. Et à la fin aussi, il sortait le pièce de 5. Alors, c'est après ça qu'on a ramené des cartes téléphoniques, et après, maintenant avec Visa, tout ça. Voilà, c'était comme ça. Cette révolution, avec tricherie, avec du vol, après avec des assassinats, ils ont tué plusieurs généraux, des pilotes d'avion, de l'armée de char d'Iran. Les gens qui étaient une trésor, on peut dire, trésor pour le pays. Ils les ont massacrés. Et le régime, après 40 ans, d'autres pays, ils voulaient exporter le terroriste, l'islamiste et la révolution n'ont pas pu. Mais le mouvement s'est été fait. Ce mouvement qui a été fait il y a déjà 40 ans, Mohammed et Montazeri, lui-même, il était assassiné 2 ans après la révolution islamique en Iran, avec 100 de personnes, des grands dirigeants du pays. Il était assassiné, une explosion assez énorme dans le parti politique de la République islamique d'Iran. Plus de 120 personnes étaient assassinées, y compris Montazeri. Mais le mouvement, il est resté toujours. Le mouvement, maintenant, c'est une branche de Pastaran, de l'armée de la révolution. C'est pas Pastaran. Et depuis, jusqu'à maintenant, ils travaillent en dehors du pays pour former les révolutionnaires, soi-disant des terroristes, pour libérer leur pays. Si vous voyez Hezbollah libanais, c'est un des mouvements. Si vous voyez la chute de Saddam Hussein et l'Irak à la main de la République islamique d'Iran, c'était grâce à 3-4 mouvements politiques qu'on avait à ce nom-là. En Syrie, la même chose, Afghanistan est partout. Après même, quand Afghanistan, vous savez que je connaissais bien le commandant Massoud, hein, ça vous le savez. Le commandant Massoud, je le connais très bien, je le connaissais, enfin, sa famille et tout ça. Mais n'oubliez pas, le moment qu'ils vont chuter le Taliban, les Américains, en Afghanistan, on est obligé de tuer le commandant Massoud. Le commandant Massoud, son fils, son nouveau, et ce cousin et son frère, et sur cette antenne, une partie, pas la totalité, ils ont confirmé, et à moi personnellement, ils ont dit la totalité, qu'ils étaient assassinés par les Arabie Saoudite, par les musulmans qui étaient commandités par les Saoudiens. Ça, c'est une autre histoire. Mais après que le commandant Massoud s'était assassiné, les Américains, ils attaquent Afghanistan pour l'histoire des talibans et tout ça, vous le connaissez. Et la République islamique d'Iran, c'est ça que vous ne saviez pas regarder. Des sujets tabous, des informations tabous que je vous donne. Iran, la République islamique d'Iran, il va combattre les talibans côte à côte avec les Américains. Il va aider les Américains en Afghanistan pour écraser les talibans. La même chose qu'il a fait avec Daesh. Daesh était écrasé en Syrie. Et en Irak, puisque la République islamique d'Iran, côte à côte, il a combattu le Daesh avec les Américains, avec les Européens. Mais une chose qui est un peu bizarre, c'est qu'une fois que ça se termine, on voit que les Kurdes qui étaient alliés pour écraser le Daesh, on le laisse tomber à la main de la Turquie pour être écrasé. Et de l'autre côté, avant-hier aussi, les Américains, ils ont frappé une partie de l'Irak et la Syrie. Iran, il fait un communiqué en disant que c'est l'Amérique qui est terroriste puisqu'il vient de tuer le mouvement qui combattait le terroriste. C'était le mouvement qui combattait réellement Daesh en Irak et en Syrie.
Ah, c'est un peu compliqué, vous voyez, la diplomatie politique, c'est un peu compliqué. Alors, l'Iran va être sous l'embargo dès le départ de la guerre d'Iran-Irak. L'Iran, il va être sous l'embargo. Saddam Hussein, non, mais l'Iran. Alors là, il y a l'Israël qui va vendre des armements à l'Iran. Il va vendre. Il va acheter de la France, l'Allemagne, des États-Unis, tous les armements que l'Iran il a besoin, Israël, il va vendre à la République islamique d'Iran pour continuer son combat contre son guerre, contre Saddam Hussein. Ce que je vous dis pour la jeunesse, hein, puisque si vous êtes un client ancien de David Abbassi et de la radio ici maintenant, vous savez très très bien qu'il y a déjà des années, j'interviewais un directeur de Mossad, un conseiller de Ishaq Shamir, pas Ishaq Rabin, Ishaq Shamir, qui était en tête de cette vente des armements à l'Iran. Il s'appelle Ari Ben Menaché, c'est mon ami, il est toujours vivant, il est au Canada. Il a été arrêté, emprisonné pendant une année dans l'histoire d'Iran Gate aux États-Unis. C'est un juif iranien qui devient directeur de CIA, un des directeurs. Et c'est lui qui va faciliter l'achat et vente des armements pour l'Iran à l'époque de la guerre Iran-Irak. Et les Américains, puisqu'ils avaient mis l'Iran sous l'embargo, on va l'arrêter et on va le mettre en prison. Ça, c'est une autre histoire. Ari Ben Menaché était mon invité sur cette radio, ici et maintenant. On a parlé ensemble à l'époque, en français et en persan. Et lui-même, il a fait un bouquin, il s'appelle « Profit of War ».« Profit of War », le profit de la guerre, l'argent sale, l'argent de la guerre. C'était traduit en plusieurs langues, vous pouvez le trouver, le lire. Et là-dedans, il explique tout ce qu'il a fait. Voilà. Alors, puisqu'Iran était sous l'embargo, puisqu'Ari Ben Menaché, il a travaillé pour acheter des armements, les donner à l'Iran, ça c'est un marché parallèle qui a été ouvert dans le monde entier. Par exemple, à l'époque, la Turquie était pauvre. Alors, il vient intermédiaire l'Iran avec le monde entier, et il est riche maintenant. Pakistan en partie, et certains d'autres pays, comme ci, comme ça. Alors, des présidents de la République, des premiers ministres, des gens de trop haute autorité dans le monde, également, ils vont collaborer avec l'Iran en cachette. Plusieurs procès que vous avez où, vous, en France, par exemple même, des grandes personnalités, c'est puisque ces gens-là, où il était avocat de l'Iran, il défendait l'Iran dans le tribunal national, international, c'est-à-dire en France ou à droite, à gauche, où il facilitait l'achat de ce que l'Iran il avait besoin dans le marché noir, blanchissement de l'argent, etc. Et les Américains et les autres, ils punissaient ces gens-là. Alors, Nicolas Ceausescu était un de ce personnage mondial, patron de Roumanie. Il achetait le pétrole iranien et il le vendait plus cher. Il achetait pas cher, mais il vendait plus cher. Il gagnait de l'argent. Et le 25 décembre 1989, quand on va assassiner, enfin tuer, on va exécuter, condamné dans un petit tribunal, dans une petite chambre, après on va l'exécuter avec Elena, sa femme, lui, 5 jours avant, était en Iran. Le 20 décembre 1989, il est en Iran. 18, 17, il va entrer en Iran. 2-3 jours, il va rester en Iran. Dès qu'il rentre dans son pays, une petite manifestation, c'était dans une ville qui était écrasée, cette manifestation, une dizaine de personnes étaient assassinées. Mais lui, il est en train de donner un grand discours dans le capital de son pays, comme d'habitude. Au départ de ce discours, tout le monde va crier « Vive Nicolas Ceausescu !» On va applaudir tout ça. Mais après 8 minutes, une centaine de personnes, il va crier contre lui. Mais pourtant, lui, il va rester jusqu'à la fin. Il va donner son discours. Mais c'est un coup monté, presque un coup d'état. L'armée de Nicolas Ceausescu, il va avoir des problèmes avec le garde rapproché.
on va arrêter Nicola Ceausescu, après on va l'exécuter tout de suite, etc. Il facilitait de faire l'entrée de l'argent en Iran. Il achetait le pétrole pas cher, iranien, il le vendait plus cher. En plus, il avait des bonnes relations avec l'Iran. Depuis Shah d'Iran, si vous tapez sur l'internet, vous allez voir que même, il était invité en Iran plusieurs fois à l'époque de Shah d'Iran, Nicola Ceausescu. Alors on l'a fait chuter, puisqu'il était en allié avec l'Iran. Comme ça, vous en avez plein. Je ne sais pas si je vous ai dit, on est dans une précédente émission, c'est Nixon. Richard Nixon et l'histoire de Watergate. Imaginez-vous aujourd'hui, ici et maintenant, si on va faire shooter Trump, concernant tous les dossiers qu'il a par rapport à celle que Nixon il avait, c'est 1%. Nixon, il avait 1%. Écoute. Il écoutait. C'était rien du tout par rapport à ce que Trump il a. Mais c'est lui-même qui va quitter le pouvoir et Nixon. Une autre histoire que je vous raconterai une autre fois, c'est un allié assez fort avec Shah d'Iran. C'est lui qui il a donné la force au Shah d'Iran. C'est lui qui donne les armements au Shah d'Iran. Il dit, tu n'es pas notre agent. Toi, tu es patron d'Iran et patron de Golfe Persique. J'ai les propos de Nixon qui dit ça, il vient en Iran. Après, les Britanniques, ils sont contre ça. Ça aussi, j'ai les paroles, les propos de l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. De Grande-Bretagne en Arabie Saoudite, il dit Shah d'Iran ne peut pas être patron de Golfe Persique, il faut Arabie Saoudite qui soit patron de Golfe Persique, et ça c'est un conflit diplomatique. Nixon va être chuté quelques années avant de Shah d'Iran et après Shah d'Iran, et ça continue. Anwar Sadat, puisqu'il était ami de Shah d'Iran, était contre la révolution islamique, prend les dissemblées. Il va venir tuer ça, Anwar Sadat a pris le parti. Chavez, je vous ai dit, Nicolas Ceausescu, je vous ai dit, Moshe Kassab en Israël, Bill Clinton avec la fille, l'histoire qu'il a eue, puisqu'il n'a pas exécuté ce qu'il fallait, ce que Trump il fait actuellement contre la République islamique d'Iran. Chirac, il est parti rapidement, mais Chirac aussi, vous savez, certains trucs qu'il avait, c'était à cause de ce qu'il a fait avec l'Iran, pour l'Iran, parce qu'il était proche des ayatollahs, Jacques Chirac. C'est une longue histoire, puisqu'il n'est plus là, on ne va plus parler de lui. Notre président Macron, si dès le départ, il a accepté ce que Trump, il a dit concernant l'embargo, concernant l'Iran, concernant l'accord avec l'Iran, s'il aurait écouté, et exécuter ce que Trump il disait, je vous assure que vous n'auriez ni l'histoire des Gilets jaunes, ni tous les grands problèmes que vous voyez actuellement contre notre président, qu'on va aller le tuer. On disait qu'on va aller le tuer. J'ai demandé 15 personnes à l'époque, Gilets jaunes, pourquoi tu vas aller tuer Macron? Et ils n'avaient pas les réponses. Même si tu es contre quelqu'un, c'est pas le de le tuer. Il faut aller faire des choses nécessaires démocratiquement. Mais on va le tuer. Pourquoi? Puisque Trump, le mois de novembre de l'année dernière, quand il quitte la France, dans son avion, il envoie un tweet en disant « Les Français, ils font la révolution, des manifestations, puisqu'ils vont, ils réclament qu'ils vont un président comme moi. » Et c'était des mensonges. Audrian, il a contesté, mais après, personne n'a pas parlé. Beaucoup d'autres choses, mes chers amis, mais c'est votre tour à parler. C'est beau, j'en ai assez dit. Ce sujet, tous ces sujets-là que je viens de dire, vous avez d'autres choses. Morales, n'oubliez pas. Morales en Bolivie et beaucoup d'autres. Oh, je ne vous ai pas dit en Afrique. Beaucoup de mouvements de chute de pouvoir, qui sont en Soudan, en Niger, patati patata, c'est l'Iran, c'est la République islamique d'Iran. Puisque le président, le patron, était soutenu par la République islamique d'Iran. De l'autre côté, on a joué pour faire shooter telle personne, tout ça. Je ne peux pas vous donner toutes ces explications dans une seule émission, mes chers amis. Mais vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20, sur Radio Ici Maintenant, également si vous avez l'internet, vous tapez ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder et nous écouter.
en remerciant Didier Doplet, le président fondateur de cette radio, ce qui nous donne la parole depuis 39 ans. Parce que moi aussi, j'ai la parole. Hein. Je suis seule personne que je m'exprime sur l'antenne et la responsabilité de tout ce que j'ai dit, c'est moi. Ah, vous voyez, je ne suis pas un animateur d'écouter seulement. Je vous écoute avec grand plaisir. Mais également, je suis en train de vous donner certaines informations que j'ai, certaines données que j'ai. Je les dispatche avec vous, avec ma responsabilité, pas avec la responsabilité de la radio et des Doplet. Pour ça, voilà, maintenant c'est votre tour. Prenez vos combinés de téléphone, composez le 08 92 23 95 20 et vous avez la parole, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. David Abassi, écrivain...